pile moun qui connaît mauvais la vie, qui chiffonne, qui chiffoque, qui colle bosso parce qu'ils ont laissé. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, salut. Nous contents, il dit bon Dieu merci pour grâce qu'il fait nous pour nous capables de retrouver nous encore une fois à la table de la parole pour recevoir les instructions du Seigneur. Nous espérons jusqu'à présent un mot béni avec série de messages ça sous somme 23. Nous encourager ou partager avec 11 amis, oui, partager avec une famille et là va pour lui-même une source de grâce et de riche bénédiction. Déjà, nous souhaitons bonne audition et soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Moi, invite à lire avec nous le psaume en entier. En nous lire ensemble. Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu onduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Seigneur, bonne sagesse, intelligence, onction pour nous délivrer parole. Merci de ce que tu as été avec nous pendant toute la série, de ce que tu nous as inspiré, tu nous as animé. Et alors que nous sommes arrivés à la fin de ce message, à la fin de cette série, nous invoquons le nom du Dieu de notre salut. Dieu Père, je t'appelle. Dieu Fils, je t'invoque. Dieu Saint-Esprit, je t'interpelle. Viens donc encore une fois nous animer, nous inspirer et communiquer cette parole qui est ta parole au cœur de tes enfants qui ont besoin de t'entendre. Fais-nous vivre à nouveau. Fais-nous vivre à nouveau. Au nom de Jésus, nous t'avons ici prié. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, la vie est un voyage. Qui dit voyage, dit accident, dit danger. La route tue et blesse. Certains voyagent en bien et d'autres ne sont jamais arrivés. Le voyageur responsable n'embarquera pas le camion d'un piètre chauffeur en créole, tête mato. Il s'enquérera de ses compétences et expériences. Il cherchera des renseignements sur ses capacités et quand le chauffeur aura fait ses preuves, quand il aura amené plus d'un passager à leur lieu de destination en sûreté et dans des conditions de voyage difficiles, il méritera le respect et gagnera la confiance de la communauté. La foi que nous plaçons en Dieu n'est pas sans réflexion. Dieu a fait ses preuves. Il est plus que compétent et capable de mener nos vies. Le chantre d'Israël termine le psaume 23 de la manière que voici. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La déclaration de l'auteur à la fin du psaume n'est ni naïve ni gratuite. David utilise les métaphores berger et autres pour décrire ce que Dieu fait et les images brebis et invités pour communiquer les soins qu'il reçoit. Dieu le donne du repos. Il restaure et nourrit. Dieu lui offre un festin. Il oint sa tête et fait déborder sa coupe. Dieu l'a fait traverser la vallée de l'ombre de la mort. Il l'a assisté et soutenu pendant le voyage. Dieu le fait arriver en sûreté dans un lieu de refuge et le reçoit dans sa maison. À travers tout le texte, l'auteur dit ce que Dieu fait. Et arrivé à la fin, il dit ce qu'il fait. Et que fais-tu, David? Il répond, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Certains commentateurs estiment que dans le psaume, estiment que là, dans le psaume, le langage de l'auteur est liturgique. C'est le langage du temple. La version Louis II dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le texte hébreu se lit ainsi.
Vesabti, Bébet, Yahweh, Léorek, Yahim. La version second 21 fait remarquer la nuance. Elle ne dit pas « et j'habiterai », mais elle dit « je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». Vient alors la question « pourquoi revenir ?» Le psaume évoque la mémoire des grandes fêtes annuelles. On se rappellera qu'Israël devait se présenter devant Dieu dans le temple à l'occasion des fêtes de Pâques, des tabernacles et de Pentecôte. Les juifs pieux se sentaient toujours attirés par le temple parce que le temple abritait l'arche de l'Alliance qui était le symbole de la présence physique de Dieu. Pour eux, cette présence de Dieu était localisée dans le temple. Dans le livre des psaumes, on entend ce désir de Dieu tel un refrain qui apparaît encore et encore. There is a yearning for the temple. Why? Because it is the house of God, the place of his dwelling. Où t'en est, serviteur a dit, dans Psaume 122, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Il dit au Psaume 84, au chef des chantiers, la guitite des fils de Corée, que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le pasteur même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petites, tes autels, Éternel des armées. Mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer. Et encore heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Au psaume 26 verset 8, il dit, Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Au psaume 27 4 et 6, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Et quelle est cette chose? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. À Psaume 42, verset 4, il dit, je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. À Psaume 42, il dit encore, comme une biche soupire après des courants d'eau et si mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? So, coming back to these spiritual experiences was generally difficult for the lovers of God. C'était toujours avec peine que a quitté le temple, que a quitté ce temps passé dans la présence de Dieu pour retourner dans la vie et pour faire face à tout ça qui est mal, à tout ça difficile. So David was there. He's thinking of that moment he spent with God. And as a result of everything that God did for him, en réponse à tout ce que Dieu a fait, en réponse à toutes les grâces qu'il a reçues, en réponse à toutes les bénédictions que le Seigneur lui a accordées, he said, I've made up my mind. This is my decision. This is my final answer. I will dwell in the house of the Lord forever. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Let me say it again. And I will dwell in the house of the Lord forever. I will dwell in the house of the Lord forever. I will dwell. This is the choice in the house of the Lord. This is the course forever. That's a commitment. I will dwell. That's the choice in the house of the Lord. That's the course forever. That is the commitment. J'habiterai. C'est le choix dans la maison de l'Éternel. C'est le cours de sa vie jusqu'à la fin de mes jours. C'est l'engagement. It is a choice. Mes amis, t'en aiment bien. Servir mon Dieu, son choix. Servir mon Dieu, son choix. Son décision qu'on prend. En fonction de ce que Dieu est pour toi. En fonction de ce qu'il a fait dans ta vie. En réponse aux bénédictions que tu as reçues de sa part. Maintenant, tu es en droit de choisir de le servir ou de ne pas le servir. En fonction
des faveurs que tu as reçues. Ou bien doit choisir comme ça tout, ou bien doit pas choisir. But David make it clear for us. Il makes it clear. Il voulait que nous pas gain doute sur sa position. Il pas connaît pour l'autre monde, mais quand à lui, choix, décision, volonté, c'est pour le rester la caille bon Dieu. Comprendre que c'est pas yon rester comme ça. Mais maintenant, les m'a pensé à texte là. M'a dit David, pour qui raison? Tell me more. Why are you so bent on returning to the house of God? Why are you so bent on coming back and coming back and coming back? David comprend nos bagages. David understood that there's a connection between the resources of God and a relationship with God. Let me say it again. David comprend que gagne yon connexion, yon rapport entre les ressources de Dieu et la relation qu'on a avec Dieu. Now, gen bénédiction, bon Dieu baille tout le monde. Autant la Bible a dit comme ça, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. La pluie a tombé, le Seigneur pas fait différence. Est-ce que la pluie a tombé dans le jardin juste là? Ou bien est-ce que la fête tombe dans le jardin méchant? Il fait lever son soleil et il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Mais qu'on sait de bagaille pour joindre dans mon Dieu, faut qu'on relation avec mon Dieu. Amen. Faut qu'on connexion avec mon Dieu. Faut qu'on contact avec mon Dieu. Amen. Faut qu'on relation avec le Seigneur. And our relationship with God gives us rights and resources that would have been otherwise denied. Membership has its privileges. Gimagay! Le Seigneur fait. Il le fait en fonction de ma relation avec lui. Des protections, le Seigneur bail. Les bailli en fonction de ma relation avec lui. Des provisions, le Seigneur bail. Les bailli en fonction de ma relation avec lui. Bon, mettez-le pour vous dans le langage ça. Bon, m'explique-le de cette façon. Au monde, je dois demander l'argent, je dis à Mbaou. Je dois demander l'argent. De même baou. Ou qui doit m'aider l'argent après de même baou. But love in m'aider au sixième ou septième fois, m'aider doit dire ou m'pap baou. Mais fara, pas nous m'aider, c'est net, fourré me prend. Et des fois, les filles a fourré mille, les fourré tellement faux. Dégafet. Non, pas qu'à 40 ans. Et puis tout me tenait, bon Dieu dit, my God, m'pas même genre l'homme, non. Bon Dieu dit comme ça, m'tellement de ressources. Et parce qu'on a une relation avec moi, ou te mettre fourré mes au fond, fourré mon plus fort. Parce que m'y a grâce, m'y a plus grâce pour m'baille, que ou même ou que pour recevoir. M'y a plus bénédiction m'kabaille, que ou même ou que sagesse pour demander. Et m'tenait, bon Dieu dit, que bagaille m'a fait en fonction de ma relation avec toi. Parce que tu es mon fils. Je te bénis parce que tu es ma fille. Je te rends prospère parce que tu es dans ma maison. Je te fais prospérer. Je te aïe aïe aïe. Je t'élève. Et puis tout le temps dans mon abdi Seigneur. Son j'aime ces petits tout. Son j'aime ces petits tout. M'pas petit dehors, mais ces petits tout mié. M'pas petit à côté, mais ces petits tout mié. Qu'il est ou des petites moins. M'entend des paroles là dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc dans l'évangile là, qui bagaille, c'est droit pour bénir, c'est droit. C'est droit pour demander, c'est droit pour recevoir, c'est droit pour avancer, c'est droit pour marcher dans la gloire, c'est droit pour bel garçon, c'est droit pour belle femme, parce que tu es connecté au Dieu de gloire, tu es connecté au Dieu de la puissance, tu es connecté au Dieu de la délivrance, tu es connecté au Dieu de la victoire. Mais du coup ça,
David te comprendre. There's a connection between the resources of God and a relationship with God. Resources of God and relationship with God. When you have a relationship with God, His resources become yours, my God. Dis-le, ou gagne yon relation avec mon Dieu. Bien mon Dieu, c'est bien. Manger mon Dieu, c'est manger. L'argent mon Dieu, c'est l'argent. Richesse mon Dieu, c'est richesse. Dis Seigneur, songez, c'est petit. David understood that there's a connection between the resources of God and a relationship with God. But there's more. David, pour que ça vous dise, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David dit ça. He said, and I will dwell in the house of the Lord. I will return to the house of the Lord for lengths of days. Because David understood that there's a connection between the provision of God and your position in God. Stay with me. Now, you may have a relationship with God. God may be your father. But if you leave the house, you forfeit the provision that God has for your life. So the provision you receive will depend on the position you retain. La provision que tu reçois va dépendre de la place que tu retiens. Gan pile moun qui pas vive provision bon Dieu parce que ou pas dans position bon Dieu. You quitte ka la. Mais pour qui raison? Quoi que fils, petit garçon, elle n'a pas de cochon. Et sa cochon, elle va manger, elle pas même qu'elle doit manger. Why? Pas parce que la provision n'était plus là, mais parce qu'il a laissé sa place. Fais attention pour ne pas quitter place. Gain grâce pour joindre dans mon Dieu, tu dois garder ta place. Garde ta place, mon frère. Garde ta place, ma soeur. Quand pile moun qui connaît mauvais la vie, qui chiffonne, qui chiffoque, qui colle bosso, parce qu'ils ont laissé leur place. La provision que tu reçois dépend de la place ou de la position que tu retiens. Comment m'a fait un dans mon Dieu pour mal finir? Comment m'a fait un dans mon Dieu pour me gaspiller? Comment m'a fait un dans mon Dieu pour ne griller dans sous moi? Comment m'a fait prier pour mon Dieu qui te monte? Ou pas, j'aime lire sa parole, l'a dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Ou pas, j'aime lire la parole. Côté David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Par exemple, lis, quand elle dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le problème du chrétien, c'est qu'il ne comprend pas et ne sait pas assez souvent qui il est. Et aïe aïe aïe, là il cherchait petit goût de l'eau dehors alors que le gros souce la kaeli. Il me tenait, bon Dieu a pas la voix. Il me tenait le Seigneur dit, ou garde ta place. Vent a soufflé, tempête a gronté, garde ta place. L'ennemi viendra et il essaiera de t'attirer avec les plaisirs du monde. Garde ta place. Satan a fait miroiter devant les gloires de la terre. Garde ta place. La potée dans le salon la caillou, dans le téléphone ou toutes sortes de tentations. Garde ta place.
Qui bagay? Elle m'y a pas foutu rentrer caille bon Dieu pour venir folie. Le bagay elle m'y a fait. C'est parce que tu quitté caille là. C'est parce que vous allez au-delà de la maison du Père. Vous franchissez les limites et les bornes. Vous allez trouver un loup dévorant, un méchant, un diable qui n'a pas de chance, un Satan qui est cruel. Et c'est ça le pas faire. M'entendez le Seigneur à parler à peuple matin. Et m'entendez mon Dieu qui dit, en dépit du corona, pas de monde qui ou pas vine l'église, pas de monde qui a veillé, pas de monde qui compte leur entrée ni leur sortie, mais garde ta place, my God. Jeune fille, j'ai maman qui doit passer où, mais garde ta place. Jeune garçon, j'ai pasteur qui doit parler, mais garde ta place. Provision dépend de position au Kembe. And finally, aïe aïe aïe, me dis dans un premier temps, David understood that there's a connection between the resources of God and the relationship with God. Nous, deuxièmement, David understands that there's a connection between the provision of God and the position you keep. Troisièmement, David comprend l'autre bagaille. He understands, watch this now, he understands that his decision will affect God's decision. Stay with me now. The Lord will not force anyone to serve him. Bon Dieu, pas forcer pièce moun. Retna kaila. Il pas marre pie ou. Il pas enfeje ou. Jean papa m'a dit. Il pas emprisonné. But there is something funny in the text if you look closely. Là où moun vin la kayo. C'est lui déterminer la prêter ou bien c'est ou bal permission pour le rete. Notice in the text, God does not give him permission to stay, but he determines that he will stay, and God says, "You're welcome." God says nothing. God says, that's your choice. If you want to stay, you are welcome. You are welcome to stay as long as you wish. Même, question stay et retourner. Il y a été appelé. Attention, ça a été appelé dans le texte. Vous comprenez que, là David dit ça. He is not content to be a sojourner. He wants to be a dweller. Gen moun, c'est touriste yo ye ka bon Dieu. Gen moun, c'est résident yo ye ka bon Dieu. Qui différence qui gagne entre yon touriste ka bon Dieu et yon résident ka bon Dieu? Ou kon sa m'a dit ya? Le ou moun gagne un visa touriste ou passe ou visite ou checker, mais le ou moun des résidences permanentes. Le ou moun c'est citoyen américain. Aïe aïe aïe. Le ou après rentrer sous frontière, yo di welcome home. Aïe aïe aïe. Because this is your home, and since it is your home, you can stay as long as you want. Et m'tende bon Dieu dit, m'pa vle moun qui a seulement fait touriste, m'pa vle moun qui a seulement passé, m'pa vle moun qui seulement font checker. M'tende le ciel dit, aïe aïe aïe, ouoi, donne Trump, fermé, numéro, quantité, résidence, permanent. Et puis tout le monde de mon Dieu qui dit, ma baille en résidence illimité, depuis ces mouns qui voulaient, vine
prend qu'une date. Depuis ces mondes qui voulaient, ville prend résidence. Depuis ces mondes qui voulaient, ville prend date citoyenneté. You are free to stay as long as you want. And as long as you stay, whatever I have is yours. As long as you stay, whatever is mine is yours. As long as you stay, tout ça me gagne, l'ICEF, pouh! Oh! Bien-aimé! Bien-aimé! Comprendre que, comprendre que David pas seulement dit l'a prêté, mais dit l'a prêté jusqu'à la fin de ses jours. So it is something that is forever. Ou capable de sentir dans le langage ça, une espérance eschatologique. Lorsque, dans cette espérance eschatologique, en esprit, moi ouais, le temps où ce n'est plus l'homme qui va à la maison de Dieu, mais c'est Dieu qui vient dresser sa tente au milieu des hommes. My God. Et puis tu me tendais, j'en dis comme ça, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et Dieu lui-même sera son peuple. My God, laisse ça papa, prière mange longue comme ça. Laisse ça papa, m'a seulement fait un pas et puis tu me dans présence mon Dieu. M'a seulement fait un pas et puis tu me secouisse mon Dieu. M'a seulement fait un pas. Et puis tout même non pas bon Dieu. C'est ça, il y a une espérance eschatologique. Et puis tout me tendez, ça veut dire que tout le monde qui a espérance en dedans, que tout le monde qui a espérance dans la vie, que tout le monde qui a espérance, Jean-Pasteur dit, non fiel. Chantez alléluia, chantez gloire à Dieu, chantez alléluia, chantez gloire à Dieu. Et parce que j'ai cette espérance, m'a prêté loin péché. Parce que j'ai cette espérance, m'a prêté loin mal. Parce que j'ai cette espérance, ma fille, la caille mon Dieu, jusqu'à la fin de mes jours. My ayay, my choice is forever. My cross is forever. My commitment is forever. Je bénirai l'Éternel tant que je vivrai. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. M'a servi mon Dieu, tout autant que souffle dans moi. M'a prêté qu'à mon Dieu, tout autant que l'esprit dans moi. M'a servi mon Dieu, jusqu'à la blanche vieillesse. L'aime grand monde sous bâton. L'aime grand monde. M'pata mache, l'aime grand moun, n'a pas m'pèse, en moué, l'aime qui pompèse, l'aime qui tatete, l'aime pas qu'à supporter, les temps flopop, l'aime à m'aille, et puis tout m'a dit alléluia, et puis tout m'a dit gloire à Dieu, et puis tout m'a dit béni soit l'éternel, et puis tout m'a dit soit guéri, et puis tout m'a dit soit délivré, donnez la vie, pas qu'il t'aime mourir, pour que j'annonce ta gloire à cette génération et ta puissance à la génération qui vient. C'est pour me dire mon Dieu, c'est pour me prêcher, c'est pour me témoigner, c'est pour me célébrer, c'est pour me servir mon Dieu, jusqu'à ce que madame mourit ou bien Jésus retourne. Au cas où monde t'a demandé, pasteur, tout de suite message au matin, le Seigneur me dit, pour me dire, m'a servi encore et encore. I choose you again and again. Because you've been good to me. Because you keep my heart. Because you keep my mind. C'est vous-même qui fait me pas fou. C'est vous-même qui fait me pas distrait. C'est vous-même qui fait me pas marcher tout doux. C'est vous-même qui fait me dignité. C'est vous-même qui va manger pour manger. L'eau pour mourir. Caille pour me rêter, machine pour me conduire, souliers pour me mettre, pantalette qui sous moi, ouais, en moi, I'll serve you again
And again, and again, and again, I serve you. Again, I choose you. Again, I'll worship you. Again, I'll celebrate you. Again, I'll magnify your name. Again, and again, and again. Je ne sais pas pour vous, mais moi-même, c'est des six hommes ça. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Un autre de Yasuko. I'll choose you again and again. Et après ça, on va retourner pour nous avoir la bénédiction au nom du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, au nom de Jésus. Adorez nos musiques ça. Et après ça, on a tourné pour l'appel au salut et la bénédiction au nom de Jésus. Nous espérons que nous avons béni par message ça, nous encourager pour capable et bien continuer et bien utiliser plateforme ça pour capable prendre soin d'amour et enrichir spirituellement. Nous encourager également pour capable soutenir ministère ça. Il y a plusieurs façons capable faire ou faire via Zelle ou capable utiliser Cash App et ou bien doit utiliser une voie postale et même PayPal dépendamment de côtoyer et gens qui plus facile pour vous. Nous dit bon Dieu merci pour le ministère ça que le mettez pour capable encourager les gens, former moun, édifier et ainsi pour nous capable faire route là ensemble jusqu'à ce que le Seigneur revienne. En attendant que nous rencontrions encore, nous la guéons dans deux plans mes papa bon Dieu et nous disons bon Dieu remets-nous, nous remets tout. Bye bye.